La représentation des femmes dans les assemblées élues fait encore débat. L'ONG LEAD africaine dénonce le non-respect de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec le quota de 30%. Sa présidente Kadi Tanou fustige cette attitude. C'était pour nous une occasion de pouvoir dénoncer ce fait-là, donc le non-respect de cette loi, et puis de les interpeller également sur un certain nombre de choses, donc assurer la sécurité des femmes qui s'aventureraient ou auraient le courage de partir en candidature indépendante, parce qu'il y en a qui ont commencé à se déclarer et on ne voudrait pas que leur sécurité soit mise à rude épreuve comme nous avons pu le constater les autres années. Les statistiques révèlent que le parti RHDP compte seulement une femme sur 31 pour les élections régionales, tandis que pour les élections municipales, 22 femmes sur 201 sièges sur la liste, soit 10,94%. Le PDCI RDA compte aussi une faible représentation féminine, avec une femme sur 27 pour les élections régionales et 14 femmes sur 164 pour les élections municipales. Selon l'ONG LEAD africaine, les partis PPACI et FPI ont également des taux de représentation féminine insuffisants pour les élections régionales respectivement estimés à 4,54% et 5,67%.